Le devenir de la fête, c'est un point très délicat et qui nous fait très peur. Je pense que des volontaires, il y en aura toujours. Parce que nous avons actuellement dans l'équipe des jeunes qui font un travail formidable, à qui on commence à donner la charge de beaucoup de choses de manière à ce qu'ils puissent prendre le relais des plus âgés. Hein, parce qu'il faut bien passer la main et il faut que ça continue comme ça. Mais ce qui nous fait énormément souci, c'est déjà le coût de la fête qui est très important, puisque c'est une fête où tout est gratuit. Donc, il faut des finances. Or, actuellement, les financements sont de plus en plus petits, puisque actuellement, toutes les subventions que l'on touchait par la mairie, enfin, tout ce qui était territorial, la mairie, le conseil général, le conseil régional, ont disparu ou diminué. Les préoccupations actuelles de l'État sont plus des préoccupations sociales. Et donc, les fêtes traditionnelles ne sont pas toujours soutenues comme elles devraient l'être, peut-être. La nôtre a cette particularité de ne présenter que des choses gratuites. Donc, les gens viennent, et on est heureux qu'ils viennent pour ça, justement, gratuitement pour cette fête, mais on ne rentre pas d'argent, à part quelques petites choses que nous faisons en atelier aussi, et que nous vendons pour, justement, l'association de Saint-Marcel, pour nous permettre de fonctionner et de continuer. Une autre chose aussi qui est inquiétante, ce sont toutes les choses qui ont changé au niveau même de l'Europe. C'est-à-dire aussi bien ce qui est par rapport à tout ce qui est sanitaire, tout ceci change. Donc notre fête, on a peur qu'on ne puisse plus. D'abord, on tuait le bœuf avant à Barjol, on ne peut plus le tuer. Le bœuf était donc un bœuf de parade, puis un bœuf acheté mort. Et tout ceci pose problème, parce que ça serait quand même fou et idiot d'être obligé un jour de faire un bœuf en carton-pâte et d'aller le promener. Ça, je pense qu'il faut essayer de se battre pour cette continuation de la fête. Et donc, moi, j'aurais espoir d'arriver à faire classer cette fête de manière à ce qu'elle puisse exister pour toujours. Mais bon, ça, c'est une chose assez difficile à faire, mais qui sera tentée. Et c'est important.